This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. My dog done got lit, man. He over here rapping with Tyson. Mike Tyson trying to give us some shrooms. You don't know how to act. Tyson looking out, man. This shit crazy as f. He should have never gave you his money. Oh my God! On coupe tout! On coupe tout! On coupe tout! JetBlue, bad flight. My boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got f***ed up. Just trying to ask for an autograph, man. I don't know what happened. C'est bien fait. C'est bien fait, il s'est fait fracasser. Non, attendez, non, je vous explique pour ceux qui n'ont pas compris. C'est un mec qui prend l'avion, première classe, et là, il se retrouve nez à nez avec Mike Tyson. Son voisin de l'avion, c'est Mike Tyson. Et il le fait chier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent que leur vie, c'est Tetris. Ils pensent que leur vie, c'est un jeu. Ils jouent avec leur vie. Tu vois, ils jouent, ils s'amusent avec sa vie. Mike Tyson, champion du monde de boxe. J'ai pas besoin de le présenter. Toi, tu vois Mike Tyson et tu fais le fou. C'est pour ça qu'on vous dit, parce que là, il était saoulé. Il avait bu, il était saoul. C'est pour ça qu'on vous dit, l'alcool peut tuer. Vous pensez que c'est parce que l'alcool va atteindre ton foie? Non! C'est parce que quand tu bois de l'alcool, des fois, tu es inconscient et tu vas te frotter à Mike Tyson. C'est ça qui tue. C'est Mike Tyson qui tue quand tu bois l'alcool. Là, il s'en sort bien, il a failli mourir. Non, mais moi, je pense que ce gars était suicidaire. Je suis sûr qu'il s'est, tu sais, à la base, il s'est dit, bon, j'ai envie de mourir, je vais prendre un petit billet d'avion, je vais aller en l'air, je vais me jeter en l'air, et bah ça. Il est arrivé en l'air, il est arrivé en première classe, il a vu Mike Tyson, il s'est dit, bah en fait, je vais bien une mort un peu plus mouvementée quand même, tu vois. Et c'est là qu'il a commencé à faire le fou avec Mike Tyson, et Mike Tyson, il l'a monté en l'air alors qu'il était déjà en l'air. Tu rentres dans un avion, tu vois Mike Tyson, dans le monde entier, tous les gens qui sont là, tous les gens, même dans l'avion, il y a d'autres gens. Toi, t'es pas allé provoquer d'autres gens, c'est Mike Tyson que t'as vu pour aller provoquer. Moi, déjà, moi, je rentre dans l'avion, je vois Mike Tyson, on est en première classe, je vais en classe éco, je le laisse en première classe. Je prends pas de risque, on sait jamais. Mike Tyson, il a mis fin à des carrières avec un crochet. Quand il met le crochet, lui, c'est son âme qui met le crochet. Toi, tu vois ça et tu veux aller jouer avec lui. Voilà, maintenant, il lui a froissé le visage, on dirait une feuille à quatre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le gars était saoulé. Mais quand vous avez vu à la fin de la vidéo, il était comme ça. Il était dessoulé, il était très lucide. Ça veut dire que trois coups de poing, ça l'a dessoulé. Le gars, on l'appelle Mike Tyson, mais on devrait l'appeler Mike Cellule de Dégrisement. Il y a des gens, ils ont besoin d'un peu de mouvement dans leur vie pour stabiliser leur tempérament. La prochaine fois, mon gars, j'espère que pendant ton vol, tu vas tomber sur Francis Ngannou. Lui, il est encore en activité. Il va te faire dormir et pendant l'aller et pendant le retour. 2 semaines de coma éthylique.